Salut les barbus et bienvenue sur cet épisode exceptionnel. Oui, puisque combien on a d'abonnés? 2 millions! Non, mais non, pas 2 millions. Hein, 2000! 2000! C'est déjà super bien, 2000! Donc, pour cet épisode exceptionnel, qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer avec les Lego. La première chose, bien sûr, je vais prendre le logo de YouTube. Je vais essayer de le faire en Lego. Pour ça, on va regarder quel logiciel existe pour concevoir des trucs en Lego. Et ensuite, on va le fabriquer, bien sûr. Allez, c'est parti! Pour effectuer ce petit montage avec des Lego, on va d'abord essayer de prévoir combien de pièces on va avoir besoin, et pour cela, on va utiliser deux logiciels de conception pour Lego. Tout d'abord, on va tester le logiciel officiel de Lego, Digital Designer, et soyons honnêtes, c'est pas un super logiciel. Fonctionnalité basique, pas très pratique à utiliser. On va donc tester un autre logiciel développé par des passionnés et open source, Eldro. Je vous mettrai les liens dans la description, bien évidemment. Beaucoup plus complet. Mais avant de continuer, on va aller sur la page YouTube de la Cour du Barbu et aller fouiner dans le code pour trouver les icônes utilisées par le site. Il y en a deux en deux dimensions différentes, 16 pixels par 16 pixels et 32 par 32 pixels. Et ça tombe bien, puisque la plaque verte de Lego que j'ai fait 32 par 32. Donc on va ouvrir ce fichier sous Photoshop et commencer la construction. Je vous épargnerai les détails, mais c'est assez trivial. En prenant comme référence le logo ouvert sous Photoshop, je place les différentes pièces sur la plaque. Le logiciel comporte une bibliothèque monstrueuse de composants Lego. Vous pouvez même en télécharger d'autres, ou vous créer la vôtre. Poser les pièces, changer l'emplacement, l'orientation, la couleur, etc. pour concevoir votre bidule. Quand votre design est fini, un des grands intérêts de ce logiciel est de pouvoir sortir la liste complète des différentes pièces dont vous allez avoir besoin. Vous pouvez le faire par couleur, par taille et exporter ce fichier au format texte. Ce logiciel est très complet et je n'ai ici que gratté la surface, mais je suis sûr que je le réutiliserai dans de futurs épisodes. Maintenant que nous avons créé le modèle, il ne nous reste plus qu'à le mettre en pratique en tentant de suivre de façon la plus précise possible le design qui a été créé sous Eldro. Je n'ai pas commandé les différentes pièces sur le site de Lego ou tenté de tout classer par taille, j'ai juste pris les Lego que j'avais sous la main. Ça se rapproche beaucoup du pixel art, et ensuite c'est juste un petit jeu de patience. Essayez de trouver les bonnes briques à placer au bon endroit, et continuez à former au fur et à mesure le design qu'on a conçu. Et cela n'avait pas été prévu, je suis un peu short en briques rouges. Pas dramatique, puisque le but ici était de vous montrer le processus de création d'un design sous Eldro, et sa concrétisation physique avec des Lego. Et voilà ce que ça donne. Et oui, il y a un trou parce que j'ai pas assez de Lego. Mais c'est pas grave. Le logo YouTube en Lego pour fêter 2000 abonnés qui même sont plus que 2000 abonnés maintenant. Merci donc à tous de vous être abonnés. Merci donc à tous de continuer à regarder mes conneries. Bien sûr, comme d'habitude, si vous avez des questions, des insultes, vous pouvez nous envoyer un petit mail, laisser des commentaires, vous abonner bien sûr à la chaîne Tontube si c'est pas encore fait, et tout le tralala qui va avec. Vous pouvez aussi rejoindre le clan des gentils barbutipeurs et nous filer quelques euros pour financer les épisodes classiques de la Grotte de Barbu, comme celui-là, mais celui-là c'est un épisode exceptionnel, ou les épisodes de Barbitude, et nous permettre d'acheter du matos pour faire des trucs ultra cool, que vous allez voir dans les prochaines semaines. Voilà, c'est tout pour cet épisode un peu exceptionnel, pour fêter les 2000 abonnés. 2000 abonnés, ouais. Et à bientôt, et que la barbitude soit avec vous.